Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier jour 13. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai rien senti dans les dans ce que ça pouvait être. Oula. Ça tient plus vraiment ce truc. Hein. Bon, c'est dommage, ça tient plus. Un peu dommage parce que sinon on n'arrive pas à le maîtriser comme ça. C'est dommage. Je sais pas si quelqu'un de craftelier verra cette vidéo, mais c'est vrai que c'est dommage que le petit cutter on n'arrive pas à faire tenir. Ah, je vais mal couper du coup. C'est pas grave. Ah, dice. Encore une un dice feuille. Bon, moi ça me dérange pas parce que j'en ai pas. Donc ça me servira. C'est vrai que là, ça fait au moins le 4e, 5e, 6e, je sais plus. Enfin, après, elles sont toutes différentes. Donc, on peut faire des compositions, c'est sympa, ça. Là, je pense que ça doit être encore un pochoir, parce qu'on sent rien du tout. Alors. Et voilà, c'est un pochoir. C'est vrai que ça se répète un petit peu, mais bon, c'est pas... Je pense que l'année prochaine, ça serait d'autres calendriers, peut-être, on verra. D'autres marques, on va dire. Ah, original, j'aime bien ce motif. Je sais pas si vous voyez bien. Oups, non, là. C'est original, j'aime bien moi. Moi j'aime bien les pochoirs, j'ai envie de les remettre. Donc voilà. Donc voilà, je vous retrouve demain pour le jour 14. Bonjour. On se retrouve avec le calendrier de l'avant, jour 14. Donc alors. Là, je pense que c'est. Ouais, attends qu'on clear. Un dice. Un dice mot, je dirais. On va voir ça. Hop. On va faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Hop. Hop. Et c'est un temps pour crier. Oh, alors. Une journée parfaite. Ah, mais j'aime bien tous ces sentiments, mots. En plus, c'est assez, on va dire, bateau, d'une certaine façon. Ça peut aller sur beaucoup, beaucoup de pages de scrap. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, nous avons... Ah, il s'est coincé derrière. Ah. C'est un peu comme... Bah, vraiment le même esprit que les autres, là. J'en vais avoir une petite collection. Et là, on a... je pense c'est bonne année. Hop. Bonne année, hein. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être comme ça, vous verrez mieux. Hop. Ah, non, c'est là. Bonne année. Ah, ça, c'est sympa. Bon, c'est des petits dice qui... sont bien utiles. Donc voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve demain pour la journée 15. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent, jour 15. Alors, hop. Hop, hop, hop. Oula. Je sais pas ce que ça peut être. Là, je sens rien du tout. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose. Un fil. Là, je pense un tampon. Là, je sais pas ce que c'est, un fil. Un quelque chose comme... Un fil. Du ruban. Oh. Ah non! Oh! Je suis coupée au bord. C'est une découpe. Oh! Découpe. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, je vous la mets comme ça. Je pense que c'est une découpe. Effet bois. Est-ce qu'il y a. Non, c'est juste. Ah, mais je pense qu'elle est autocollante. Je pense qu'il y a une pellicule. Pas envie de l'enlever, mais je pense qu'il y a quelque chose dessus. Parce que c'est blanc derrière, donc je pense qu'il y a une pellicule et il doit y avoir de la colle dessous. Dessus. Souvenir. Hop. Ah, très joli. Ah, ça peut être très bien sur une page de scrap avec une photo sympa et après une décor. Ah, très joli.
Ça donne envie de faire une page avec ça. Et là, je pense que c'est un tampon. Oups. Hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a qui glisse? Il n'y a rien là. On va faire comme ça. Voilà. Et les bouts de papier d'hier. Des chutes de papier là, quand j'ai scrapé mon Daily Descender hier. Voilà. Oh, très joli. Un tampon à monter. Feuillage, très joli. J'aime beaucoup. Avec des petites étoiles. Étoiles, feuilles, je sais pas. Très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. Hop. Voilà. Très joli ça. Ah, c'est sympa. Bah, je vous retrouve du coup demain pour la journée 16. Bonjour, on se retrouve avec le calendrier de l'Avent, jour 16. Alors, je pense qu'ici... Oh non, attends, on clique. Mais ici, peut-être un badge et autre chose derrière. Deux badges peut-être. Franchement, je ne sais pas du tout dans celui-là ce qu'il y a. Ça, je pense, voilà, ça c'est un tampon clear, ça c'est sûr. C'est plus facile. Hop. Non. Ah, tampon clear. Alors, positive attitude. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Positive attitude. Oh, sympa. J'aime bien l'écriture. L'écriture, celle-ci là, celle-ci dans les différents tampons clair qu'on a eu, j'aime beaucoup. Hop, et ça, franchement là. Badge, je dirais des badges, mais là c'est la surprise totale. Alors... Ouais. Oh, oh c'est mignon, tout plein. Oups. Deux petits badges de Noël. Hop là. Oh, ils sont trop mignons. Vraiment très très joli, mais c'est vraiment des vrais badges. Je n'utilise jamais moi les badges, mais oh, pour mettre sur un sac là, sympa, j'aime beaucoup. On se retrouve donc demain pour le jour 17. Bonjour, on se retrouve avec le calendrier de l'Avent, jour 17. Donc ici, je pense à un petit deuil de feuille. Allez, ça va être ça, j'en suis sûre. Et là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça... Oh, peut-être des décos en bois. J'avais pas d'idée, mais là, peut-être un truc en bois, mais c'est épais. Donc, je sais pas trop. On va voir ça. Alors. Hop. Et ouais, voilà. Oh, j'aime bien l'original, cette feuille. Un dice of feuille à nouveau. Ah, j'aime bien la forme. Oh, mais on pourrait presque l'utiliser comme une fleur, comme une tulipe. Presque, pas tout à fait, mais ça ressemble. Ah, j'aime beaucoup. Très joli celui-là. Voilà. Et alors là. En bois. Oh, ah, il y en a plusieurs. Oh, c'est très joli. Comme l'autre fois, mais je pense que c'est les intérieurs. Les petits bouts qui sont tombés, mais je pense que c'est les intérieurs comme ils sont creux. C'est des petits bouts qui se sont détachés. Peut-être de ce côté-là. Ah, celui-là est plus joli de ce côté-là. J'ai l'impression que d'un côté, il est comme un peu verni. Et de l'autre, pas du tout, on dirait. Voilà, là, il est plus brut. Là, c'est plus vernis. Mais c'est très très joli. Mais les deux côtés sont jolis.
D'accord, je préfère ce côté-là, on dirait. C'est pas vernis, c'est peut-être du côté où ça a été la découpe, il y a un peu la partie un peu brûlée du bois, ou je sais pas trop, mais. Ah, très original, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, il faut que je fasse des bêtes de création avec tout ça après. Bon, bah, je vous dis à demain pour le jour 18. Bonjour, on se retrouve avec le calendrier jour 18. Donc là, je sais pas ce que c'est là. Je sais pas du tout. Là, je pense que c'est un dice avec un mot en transparence, on va dire comme ça. Des mots, avec un mot, je pense. Mais là, franchement, là. Oh. Ah, d'accord. Oh, sympa. C'est un ruban velours. Ah, j'en ai pas du tout des comme ça en noir. Velours. Très bien. Et là, en ce moment, je voulais justement m'acheter pas mal de petits rubans parce que je n'ai pas beaucoup. Et me. Voilà. Ah, super. Ah, je savais pas du tout ce que c'était. Ah, ça, c'est un bon truc, un velours. Ouais, pour faire une attache. Hein. Sympa, sympa. Attends, presque même pour. Ah, je l'aurais eu avant pour mon calendrier de l'avent. J'aurais sûrement utilisé. Bon. Mon calendrier de l'avent, pardon. Mon Daily December. Ah ouais. Bon. Sympa. Très bien. Et là, je pense à un die, ça, c'est sûr. Allez, est-ce qu'on va devoir sortir la machine? Est-ce que je vais réussir à lire? J'imagine que c'est ça. On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. C'est comme je disais. Hein. Ah, je pense que c'est. Ah, j'arrive à lire cette fois-ci. C'est précieux souvenir. Enfin, non, souvenir précieux plutôt. Mais du coup, c'est pas mal. On peut faire, ça peut faire deux mots du coup, souvenir ou précieux. Sympa, j'aime bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain avec le jour 19. Bonjour, on se retrouve avec le calendrier jour 19. Alors, si je pense à temps qu'on clique. Ah, je ressens rien, ça va être peut-être un autre pochoir. Alors. Qu'est-ce que c'est? Tampon clair, oui. Ah, joli, j'aime bien. Bulle de bonheur. Oui. Très joli. Et là, on va l'ouvrir parce que si c'est un pochoir, j'ai peur de l'abîmer. C'est ça, c'est un pochoir. Alors, quelle forme a-t-il? Hop là. C'est comme des fleurs. Oh, très joli. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, super. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, ça fait quand même des fleurs. On dirait des pro. Ah, oh, oui, super. Très joli. Bon, ben, maintenant, on va passer à la découverte des décembre pour la semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Daily December du jour 14 à 19. Donc l'avant-dernière semaine. Hop. Donc là vous avez eu déjà toutes ces pages-là. Hop. Donc je suis toujours dans le même esprit. Si vous voulez voir les autres pages, allez voir les autres vidéos précédentes. Donc il y en a deux si je ne me trompe pas. Donc là ce serait la troisième. Donc ici du coup voilà des petits embellissements, toujours la décoration de cette page-là avec les papiers du kit carte, on va dire comme ça. Le kit carte, voilà. Donc que je réutilise moi pour faire des die cuts. Ici, du coup, une petite photo d'un déguisement fabriqué par moi-même pour la fin de. Avant la fin, la fête avant les vacances scolaires. Donc voilà, j'avais. Non, je trouve que la phrase allait falalala un peu comme c'est un déguisement Harry Potter, je trouvais que ça allait bien. Magique, bah,
c'était pas mal. Donc ici, moi, je m'étais fait un bon petit goûter, donc je me suis dit, hop, je le prends un petit peu en photo. Ici, du coup, des petits mots, des petits... Là, c'était les petits carrés comme ça, au rectangle, qu'il y a bien décorés, bien travaillés. C'était les modèles de cartes à faire. Moi, je les ai réutilisés pour décorer. Voilà. Ici, du coup, là, j'ai utilisé une chute de papier. Je l'ai mis comme ça, un peu en... Alors, je ne sais pas si vous allez l'apprécier. C'est un petit peu en relief. Hein. Je l'ai un peu gondolé. Fait un peu de volume. Donc là, là c'est des cercles, des papiers décoratifs qu'il y avait dans le kit. Ou avec la perforatrice, je les ai découpés. Voilà. Vraiment, là, c'est donc... voilà, ici, du coup, le retour d'un tag. Là, j'ai mis la photo du cadeau que j'ai eu au travail. C'est une caricature, donc je n'ai pas envie de trop vous la montrer. Je ne suis pas non plus fan, mais bon, c'est un cadeau. Je le mets quoi, en souvenir que je l'ai eu ce jour-là. Donc, une photo moi parce que je suis contente. Je suis en vacances. Voilà. Après, ici, du coup, le 19, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc, j'ai fait une pochette parce que j'ai plein de photos, mais c'est, voilà, avec les ouvertures des cadeaux. Et les petits embellissements, voilà. Tout simplement. Assez simple pour reprendre le goût de refaire des mini-albums. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière semaine des calendriers de l'Avent et la fin du Daily December. Je vous dis à bientôt. Bye bye.